moi ouais. <laughs> C'est pas J'aime que Oui. Oui, oui. Ouais. Que... Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je... hein? moi je suis le beat, Amig. Fait que, euh, Non, il y a du monde chez nous. Euh, Daniel Grenier, euh, merci ouais. d'être là avec euh, notre, notre ami en commun, Mig Lafontaine. Exact. Qu'on est tombé en amour avec les deux, je pense. Ah oh, ouais. Ça se peut-tu? Ben oui. C'est drôle ben, comment oui, tout, tout le monde clair. tombe en amour avec Mig. C'est sûr. Ben, ouais. Moi, je suis. Je... Même toi, tu t'aimes. J'espère, <laughs> j'espère, <laughs> j'espère, <laughs> Ben oui, ben c'est réciproque, moi aussi. C'est pas qu'on. Nous autres, ça a commencé à Gatineau, l'histoire d'amour. On s'est rencontrés ouais, ouais. là-bas. Puis toi, avec, avec Dan, quand est-ce que ça a commencé si Tu connaissais Dan, de, de Dan, euh, il y Dan, il fait longtemps qu'il roule sa bosse. Puis on connaît Dan, mais je parle comme personnellement. C'était quand tu as fait comme ça, c'est mon homme, ça la Première fois que j'ai vraiment jasé avec, tu étais venu faire un show avec Mike à Disraeli. Ah oui Puis euh, ah, ouais. tout le monde parlait à Mike, puis mon euh, Dan, il, il t'a sorti lui tout voir. Euh, le monde, tout ça, fait que j'avais été jasé, je l'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Fait que ça a commencé là, on a jasé 15-20 minutes. Ouais. Puis on s'est croisé après ça, genre à Tête au Festival de la Relève. Ouais. Ouais. On avait fait un show là. Puis après je l'ai booké euh, ouais. quelques fois. Puis, ouais, euh, ça. Ouais. Ouais. Depuis. Euh, ouais. Il m'a bouqué dans des moments que j'avais vraiment besoin d'être bouqué. OK. des fois j'étais comme tabarnouche, des fois j'avais sais quand j'ai recommencé après Chicken Swell, ça a été vraiment difficile puis Meg m'a bouqué une coupe de show que j'étais comme all right. Ça fait combien de temps là bon vous connaissez Ça doit faire 10 ans. ben 6 6 peut-être. OK OK OK. Le show que je parle avec Mike c'est peut-être 8, puis il y a eu du temps après ça, ouais. Ok, ok. Puis une autre, ça fait 8 ans aussi de moi. Ça fait deux fois sept, à peu près. Ok, 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 man, man, man. Ouais, ouais Mick, Mick, c'est un bon booker, moi aussi c'est drôle, ben, j'ai pas la même histoire que toi, là, mais ouais. moi aussi euh, dans mes grandes pauses d'humour, le seul booking que j'avais, c'est mon chum, Mick, disait, viens donc là, ouais. par un 15, viens donc par un heure. Moi je t'avais vu à puis je t'ai écrit ça T'avais de quoi de, de plus? T'as que... cru en moi pendant longtemps, toi? Ouais, ouais. ouais. Je crois encore? Je crois ouais, en ouais, 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 ouais. T'étais <laughs> sur le podcast, mais c'était de bon, mec. T'as amené avec toi, c'est bien gentil. <laughs> ouais, ouais. Ben non, puis ils ouais. savaient connecter. Ben, j'étais monté faire euh, l'open mic du Minotaur. T'étais là, toi aussi. Puis la semaine d'après, suis retourné aussi, euh, juste pour. Euh, J'accompagnais Faf, je pense. sais okay. où le Minotaur? C'était à Québec? Euh, Gatineau. Ok, ok, oh, cool. Pis on s'était recroisé euh, en haut, je me rappelle. Puis là, c'était hey, une passion, on s'est jasé. Pis, euh, ouais, ouais, ouais. Fait que, là, après ça, j'ai eu l'idée de te bouquer avec euh, les Pics Bois d'Israël. Ça a commencé comme ça un peu. Je le... okay, montais souvent. puis Je te donnais ouais. des shows un euh, peu partout. Ben, les shows que je produisais, je te mettais en première partie. Euh... C'est fou le montant de monde que ce gars-là connaît. Oui, c'est quand même un peu fou. Puis euh, fou. Sur, pour, sur plusieurs paliers aussi. Ah, exactement. De la musique euh, au café. Oui, oui, oui. Ça devrait <laughs> <Ouais, ouais, rire> ouais, ouais, être de, ça, ta biographie. De, de, de tout. Je J'ai le fourré partout. Non, alors, tu fais un choix sur Max? OK, je connais 3-4 personnes. Moi, <laughs> <laughs> toi, je connais ouais. bien du monde, mais je les appelle pas pour aucun service. <laughs> j'ai des connaissances partout au travail au Québec, non, mais pas ouais. assez pour faire comme, « Hey, tu sais, toi, t'es comme, « Hey, man, faire ton café. » OK, cool. Ouais, moi, j'ai... C'est un copie, puis grâce surtout à la musique, les, les, les années de musique, ça fait 20 J'ai 40, ça fait 20... 25 ans que je suis dans des bands, 20... mm -hmm. 26 ans. Dans des bands, tu n'as pas. J'ai tu... eu plusieurs bandes Mais là, présentement, c'est Carrie, là. Même ouais, tu euh, d'autres avant. Euh, ou, ou tu, tu présentement. Quand j'avais 14, moi, j'avais ouais. un petit band euh, de okay. rock francophone, genre okay. euh, des balades à la carrière un peu. Là. Ah oui, oui. Okay, ouais, okay, okay, des petites compos qu'on fait. Non. Ah, au moins, on était Ça s'appelait Excalibur. Ah, oh, ouais, Excalibur. Comme Pas comme le. le, le, le ben, Comment ça s'appelle, la place qu'on achète des affaires? Equinox. Ah, Equinox, ah oh, oui. Ah, Ah, ouais. <laughs> ah, ah, ouais. ouais <laughs> fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de shows, puis j'ai connu gros du monde dans, dans, à travers ces années-là. Fait que, à un moment donné, ben, quand j'ai commencé en humour, ben, ben, c'était le même monde mettons, qui possède tel bar à telle place. Ben là, je. Pis, je pis, rentre comme en contact avec. Puis, euh... Mig, il est comme moi parce que t'arrêtes pas l'humour complètement, mais tu slow down souvent. Puis, tu repars à ça, là, Mig. Il est, en, il est 45 shows en deux mois. Ouais, Puis là, il est euh, un le show ou six mois. Puis là, il revient comme t'es. Euh, ouais, ouais. Y a-tu. Euh, on va venir après ça avec Dan parce que je suis intéressé soucis. de voir. Euh, de quand tu es Quand t'es revenu. Euh des chicken swells, ouais. est-ce que l'industrie avait changé par le temps que tu reviennes c'est clair ouais et nous, c'était complètement différent OK complètement différent ça, ça c'est toujours curieux moi je viens. on dirait que je viens d'arriver là, ouais. là rien an, ouais. vraiment que je suis plus dans le beat de tout le monde là là je connais rien que celle-là tu sais je ouais, connais ouais, pas ouais, qu ce ouais. qui était avant tu as vécu le chiffre, non seulement de OK, Chicken Swell, c'est dans le passé. Ouais. Et là, tu arrives, puis l'industrie a changé. Qu'est-ce qui avait changé? Comme? Beaucoup de choses. L'humour change tellement rapidement, anyway, encore wow. aujourd'hui. Ça change euh, tout le temps. Ça change tout le temps. Puis, mettons, nous autres, euh, quand j'ai commencé avec les Chicken Swell, c'était en 1995 qu'on a fait une école nationale de l'humour. Mais euh, après ça, on est allé, mettons, des soirs. Mettons, mettons, comme là, mettons, la semaine pas, la semaine passée, je, je peux aller au bordel, mettons vendredi, samedi, je fais dos chaud. Tu sais. Mais dans le temps, faire dos chaud, ça me prenait deux ans. Hein, fait que les uh -huh. ça, il n'y avait pas de soirée de rodage. Dis, il y avait des bars. Il y avait un, un booker en beauce qui nous bouquait à Sainte-Marie et à Saint-Georges. C'est ça, là, on était content à tabarnouche d'aller jouer là-bas. Puis des fois, on allait à Québec au Dagobert, puis sinon à Montréal, oui, au Café Campus, mais on, on jouait dans des écoles, mais c'était différent. Il y avait beaucoup moins d'humoristes, tu Fait que, oui. il y a une tarte là, en humour, puis la pointe de tarte, les pointes étaient un peu plus grosses. Maintenant, ouais. il y a l'humour, ça fait longtemps qu'il y en a au Québec, ça fait que c'est comme vraiment aiguisé, ça fait que les styles, il y a plusieurs styles, puis il y a du monde que, qui vont capoter sur sur ça, mais vraiment beaucoup là, tu sais, il y a plus tu sais, c'est niché. C'est plus niché, puis, ouais. puis c'est une bonne affaire parce que tu sais, ça fait que le monde font comme waouh, ça moi ça ça me plaît vraiment, puis mais c'est sûr qu'il reste encore du monde euh, qui vend beaucoup de billets.

euh, ben, après, les chicken swells, je voudrais jamais, je voudrais plus jamais refaire cette année-là, là. là. <laughs> okay. Bon, ben t'en tournerais pas en cet enfer-là, là. Bah, Je suis ouais. tombé dans la relève à 40 ans, là, ouais. avec euh, une femme, un char, une maison, des enfants, là, pis que je faisais 10 shows par mois, mais à 25 pièces du show, là. Puis euh, j'étais dans le trou, j'étais dans la marde vraiment là, pour vrai, mais moi je continue à faire des shows. Ah oh, oui, j'ai des shows, mais j'aurais pu peut-être me trouver un autre job. On dirait que mon cerveau c'est « Ok, j'ai un show là, ok, faut que je trouve un moyen pour, que ça, pour que ça soit drôle Puis tu sais, j'étais habitué de faire de l'amour avec euh, l'humour avec deux gars sur scène, mais là, il fallait que je retombe en solo. Je savais pas comment faire de l'humour tout seul. Mm -hmm. Je le savais pas. J'avais un quatrième mur tout le temps avec les deux autres gars, il fallait que j'apprenne à me revirer vers les gens. C'était terrible un vrai, pour apprentissage vrai. Tromplé, ouais. là, <laughs> Vraiment, ouais. vraiment. Puis c'était mais ça, le Mike m'a dit hey, fais mes veux-tu faire mes premières parties j'ai fait beaucoup de fous dans des bars, j'ai joué dans les places les plus trash. Partout, puis après, je suis allé avec Mike partout en tournée. Fait que là, ah, ça prend un an et demi avant de dire Ah, oh, je suis capable d'être tout seul sur scène et être bien. Okay. C'est long en Christie, là. Pour... Ben, il y a du monde qui l'aurait peut-être catché plus vite, mais on dirait que je voulais être vraiment <laughs> à la bonne place. Ouais, euh, mais là, t'avais pas mis un pli avant. ça qui arrive. C'est ça, ouais, la différence. Ouais, déplier ouais. un pli, c'est putain, que pas ouais. avoir de pli. Fait c'est difficile, mais tu t'as de plier par la première fois. Là, faut ouais. tu te déplies sur l'autre bord. Là. Exact. Fait que, ah euh, non, puis t'as pas lâché, t'as bien fait. Nous autres, on ouais. est deux lâcheurs, c'est. Ah, <laughs> non, <rire> non nous autres, euh, nous autres, on est un mauvais mois, nous autres, on lâche pendant 4 ans. C'est terrible. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce qui t'a fait lâcher une couple de fois, genre? Tu sais Des fois, tu m'appelles et tu es comme, non, plus là. C'est le confort de okay. ma maison. Genre. Ouais, ouais, ouais le, ouais. le bébé, d'avoir ma, ma petite qui... Tu sais, de sortir, de devoir quitter, mettons, ma, ma maison, d'aller faire un show. Faut que tu sais plat. Je suis pas que... Je ne suis pas à un niveau que je veux demander mettons, des, des conditions et un, un cachet de fou, wow, mais ouais. au moins si le show vaut la peine, euh, s'il si, si, si y a foule de monde, uh -huh. c'est déjà ça. Puis si ça ne paye pas, ce n'est pas grave. Mais si le show ne paye pas puis en plus il n'y a pas de monde, mais je ne serais pas porté à y aller. tu sais euh... Je pense que c'est comme forcer l'inconfort qui est difficile. Ouais. Une fois, quand moi, du moto, quand, quand je n'ai pas de place à Verdun, je suis à Hawkesbury. Une heure de route, point 5 minutes, puis je bam. Ride right de show back. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hey rough en tabarnak, ben oui, tu clair. prends tu prends deux mois off après là, tu sais. Et ben ouais. l'affaire aussi c'est que toi, tu avais comme jumpé, tu pas le choix. Tu avais pas le choix, le choix de te un autre job et tu l'as pas fait, tu stické, tu whatever. Moi, j'ai toujours eu un job. Tu sais, fait que là tu es comme tu drives, quand même arrêtez de faire ça, ça vient de me coûter si je ben ouais. j'ai travaillé à ouais, la place, ouais. puis ouais, ouais. c'est là que je lâchais souvent. Bah ben c'est un peu ça moi tout, je travaille encore puis j'ai plusieurs petits jobs mais euh, c'est ça, tu te dis que okay, ça m'a coûté 100$ à aller à Gatineau, puis j'ai perdu, euh, moi de chez nous, Gatineau, maintenant c'est. Ah non, ça n'a pas d'allure, Genre 8h, tu es retour 8h30, tu sais. que uh -huh. okay, j'ai perdu ma ma soirée, tu sais, ok, puis c'est ça un show qui va pas si bien la plupart du temps, tu sais, bon, euh, <laughs> dans <rire> mes 50 premiers shows, oh. mettons, de. de, mm -hmm. de ouais, c'est ça. Puis tu sais, on, on a des discussions à propos de ça en, 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 en musique aussi, que c'est. C'est pas évident, ah oui, en c'est encore top. pire, ah oui, c'est encore pire parce que ton cachet, on, on le split à 5, tu sais. fait que ah cachet, là... regarde, on a une offre pour la Jacatino euh, au mois de juin, je pense, 150 piastres, le doody off pour aller là pour 5 gars, puis là je comptais ah. le gaz, ok, il faut manger, là, on va coucher là-bas parce qu'on on, on rêvera peut-être pas à partir de là à 1h du matin pour arriver à... Si je prends une marge de site au deb, ça me coûte 100$. <laughs> ouais, c'est nos jours, comme parle ouais, de temps... Il je... y a beaucoup de monde qui vend des affaires, là. Il <laughs> ouais, ouais, y a un bonhomme qui vend des portes et des tailleurs, pis ben, des ben, ben, tailleurs en chèque. Like, ça, le chien, coûte 100$. Il ouais. ben, like, <laughs> parle de 150$. Aujourd'hui, c'est quasiment plus rien, là. C'est mmh, comme... Oh, ouais, un, un restaurant, tu sais. Fait que c'est ça que Même en musique, des fois, je suis comme... T'as un on fait ça pour quoi, tu sais? Puis les gars disent « c'est notre hobby, c'est vrai, tu sais. Ça nous permet de, 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 de sortir de chez nous, de voir nos chums, d'être entre nous autres. Mais c'est comme tabarnak. On va tout monopoliser un vendredi, puis un uh -huh. samedi, ouais. euh, avant midi, pour aller chercher, pour être dans moins 100 piastres chaque. Tu sais, c'est uh -huh. ouais, ça, ça qui, qui est l'appartement. Juste avant la pandémie, Je fais comme là, là. 20-20, baby, I'm coming to Montreal, tu sais, tout ça temps, là. une prison, pendant deux ans, c'est une cellule, là, tu sais, le code au est puis pis tout, puis whatever. Je pas, je suis payé, là, je suis content parce que le loyer est resté le même prix, ben ouais. là. J'ai bien oh, joué ma game, ben pareil, ouais. là. J'ai pas laissé, voler mon appartement. Oh, ouais. Mais là, j'étais ici, dans curfew. All right cool. <laughs> Colisse. Mais toi, là, après, à, si tu l'as ouvert pour, pour Mike, qui a fait comme, OK, là, j'ai ma deuxième chance. comme Financièrement aussi, d'une manière, je parle comme, c'est fiable cette opération Le fait que, tu mm -hmm. Tu sais, moi, partir de chez nous, c'est cool parce que moi, ma famille, je l'aime pas tant que ça. Fait que c'est cool, tu sais, je peux partir. Puis, <laughs> <laughs> moi, famille, je ne suis pas capable, coupe pas ça. Et, <laughs> famille, coupe pas coupe ça, C'est pour ça que la maison est, ouais, oui, est ça ça, je me sens aller dans des bons à 25$. Moi, je fais des podcasts pour passer des messages. Je moi, c'est un échappatoire. Ta famille pas capable. Non, ouais hein. <laughs> Mais, les mais, Mike, c'est comme, c'est-tu première comme. Ben, tu sais. 25$, je... c'est décolissant, là. Je dire. Su... Oui, mais en même temps, tu sais, moi, le côté créatif, J'étais vraiment ouais. stimulé. Mais moi, le premier show que j'ai fait là, en solo, là, le lendemain, j'ai appelé Michel qui est mon gérant. J'ai appelé, j'ai dit Michel, je fais plus ça. Là. C'est fini, là. Chris, ça marche pas, là. Ah ouais. C'est dégueulasse, là. J'ai fait 15 minutes, puis il y a une minute qui était correcte. J'ai dit, c'est dégueulasse, là. Je peux pas vivre ça. Puis on dit qu'il était dans les chicken soit Je dis, Chris, euh, c'est chien pour les deux autres. si Je crape le nom. Puis en plus, euh, moi, je <laughs> me sens comme de la merde tu uh -huh. Puis là, le lendemain, je lui ai dit, garde un show, il, il, il blonde, elle, là, est à côté de chez vous. Puis ma blonde, elle même dit, vas-y, là, c'est à côté de chez vous. Je suis comme, oh, Là, je prends la minute qui a été correcte, puis je l'ai comme bonifiée. Dans la journée, c'est dit, si je vais faire ça, je vais faire ça. OK, ça, dans ce sens-là. Là, là. Puis finalement, le soir, j'arrive, puis j'ai fait sept minutes, puis ça a bien été. Puis il y a quelqu'un qui dit, « Hey, man, tu viens toujours dans ma soirée? » OK, OK, ok je vais y aller. Puis là, hostie. Mais le premier soir, dans le bar je suis allé, c'était chez Maurice à, à Saint-Lazare. c'est c'était Grosse, Grosse gig, mais, mais sauf oui. que... Tu sais, moi, c'est vraiment absurde. Puis des fois, je pense que... Là-bas, il faut que tu aies vraiment confiance quand tu arrives sur scène pour que ça aille bien. Pour que tu gagnes la crowd. Oui, vraiment, il faut que tu ouais, ouais. Vraiment, faut que aies vraiment confiance. Mais il n'avait pas de confiance, -tu? je ne savais pas comment faire. Puis, fait que, oh, yeah, ça a yeah, été yeah. quelque chose. Là, Mais c'est sûr que quand Mike est arrivé, Mike, j'ai fait l'école de l'humour avec. Mm -hmm. Puis après, j'ai fait les premières parties de Martin Matt aussi. J'ai fait l'école de l'humour aussi avec. Fait que Ces deux goûts que, que j'aime en tant qu'ami, ouais. de voir Mike aussi, de réapprendre mon métier à côté de Mike, de le voir de le voir travailler, c'est sûr qu'il était d'une une pause que c'était plus difficile parce qu'il était dans son procès, bon, c'est sûr. Mais je il croyait en toi, fait que, toi, ça, ça t'aidait à, à. Ouais, vraiment, fait me laissait, tellement libre, il me comme, qu'est-ce hey, que tu veux? dis ben ouais. sur... bon, combien de temps tu veux que je fasse. Callie, moi call ah, bon mon petit drink, <laughs> si tu veux ma -il. Puis il venait voir tout le temps puis il me disait hey, c'était cool ça c'était cool puis, tu sais, ça ouais. m'a aidé c'est sûr tu sais, Mike tu sais, m'a aidé vraiment beaucoup puis j'ai eu tellement de fun avec lui. Là, mais ça t'a tu sais. aidé aussi peut-être à, 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 à ce que ton uh, âge qui était bien correct en passant, mais dans notre, ouais. âge, dans notre tête dans c'est tu sais plus vieux qu'on le pense ça que ça jouait dans ta tête, j'ai 40 ans, je reviens dans la, tu sais, dans la gang qui recommence en humour. Mais c'est vraiment, t'avais une carrière avant toi, là, ben, comme, tu sais, chaque fois, j'ai tous, j'ai les DVD, t'écoutais, moi, ça fait que Quand ton histoire m'a vraiment frappé, parce que je suis comme, j'avais aucunement que t'avais été bas dans ta tête en pensant t'étais pas bas aux yeux des personnes mais je parle dans ta tête à toi t'étais dans le rock bottom ben je te dirais que c'était pas juste dans ma tête là c'est dans le <laughs> con... compte que... de banque aussi dans mon compte <laughs> de banque même dans la salle là. que quelque... <laughs> <laughs> je pensais là t'es pas mouillé tu es gentil un peu mais non non Max on était a... <laughs> tous dans, <laughs> dans le rock bottom de projet. » non mais je faisais mon possible <laughs> en crime. puis des fois ça marchait bien mais tu tu je recommençais mettons mm -hmm. puis il y avait moi je me rappelle c'est ça au Laza Saint Lazare c'était Phil Roy puis euh, je pense c'était Mariana Mazza qui était là puis eux autres ils comment en... il était pas encore connus, mais ils étaient ça ça Apanchand moi je suis comme <laughs> puis après ça tu sais, je... Tu sais, avec... je faisais souvent des choix avec des... des humoristes qui sont maintenant très connus puis fait qui étaient dans leur ils étaient sur le bord d'être connus tu sais puis mm -hmm. je suis comme ah, euh, je jouais avec Gilles du temps, je jouais avec euh, t'sais, avec plein de monde là, avec euh, Catherine Levac tout le temps, mais tu sais autres ça marchait là, fait que moi j'étais comme crime euh, les jeunes sont bons à en C'est complètement différent tout ce que tu t'offrais, ce tu c'est pas euh... Ouais, c'était d'autres choses, c'était absurde aussi là, tu sais. Il faut arrêter ça l'affaire d'âge en humour. Voici pourquoi que ouais. non mais dans ma tête ça joue aussi ouais. en passage tout ça puis je suis euh, quand Mais mais moi je pense plus à ça. Non, plus aujourd'hui parce oui, oui, que oui, je me oui. sens comme si j'avais 7 right. ans depuis toujours, je okay, 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 juste okay. je voulais que le monde comprenne, tu <laughs> mais moi, ça me joue dans la tête, pareil, mais après ça, ça me fait comme, hey, parler d'un micro, là, je peux faire ça en chaise roulante, ouais. même avec un ordinateur au pire. Ouais. Je peux encore <laughs> en penser, je peux techniquement faire des sous sur scène, Je moi. dire qu'il y a peut-être pas d'âge dedans, puis on peut comme toujours convaincre, tu parler c'est très niché, mais, tu sais, moi, à un moment donné, ce podcast-là, j'étais comme, je sais pas, je disais à Matt en joke, Matt, c'est mon je suis comme, oh, on doit être... 30% en femmes, 70% en... C'est 98% de doudes frustrés qui regardent mon podcast. Moi, <laughs> comme, <ça. rire> tu sais, je suis niché en esti, là, moi. Tu sais, c'est du doute au pied carré. Fait euh... comme, mais, de mon âge, qui vont suivre, moi, à 60, moi, ben oui. à oui. 75, esti, ils vont encore moi, ils Fait qu'on dirait que c'est encourageant de, comme, y a pas de fin à ça. C'est pour ça, quand on a pris des breaks, tu sais, comme, on prend des breaks pour se ressourcer, là. Mais ben ouais. C'est correct, là. On revient en force plus tard. C'est mieux ça que, tout as power through quelque chose là mais t'sais? je te dirais que c'est vraiment hot respirer d'envie le puis c'est quelque chose que je devrais faire mais je réussis à le faire tu sais l'été plus quand je pars en moto puis on est allé ouais. chez Meg l'autre jour je m'en vais en moto mais juste ça là ça mais là l'hiver je comme je peux pas faire de moto là, je vais un peu de quatre roues mais tu sais je, je suis capable des fois de, de rien faire aussi mais on dirait que mmh. mon cerveau tout le temps en train de sans arrêt, arrêt c'est une maladie mentale est-ce que tu t'en fais pour que si tu veux répondre, là, pour ça, mais ouais, est-ce est que, est que tu t'en fais pour l'avenir quand tu t'en faisais, quand tu étais comme cette année-là, tu comme l'avenir est sombre et dur. Là, là aujourd'hui, <laughs> comment tu vois l'avenir en humour pour toi? Là? Oh, je. Y le... penses tu y penses-tu? Oui, point? vraiment. Okay. Okay. Mais euh, moi, j'essaie tout le temps d'essayer de trouver des nouveaux gags flyers, des nouvelles affaires, des nouvelles façon de faire des gags, tu sais, ou de tout le temps des mais tu sais euh, non euh, je j'aime vraiment là comme là ça va ça va bien tu sais quand même mm -hmm. je fais ma tournée puis tu sais j'ai beaucoup de salles pleines, tu sais puis des supplémentaires beaucoup, oui. tu sais, mais c'est pas des salles de 2000, de c'est des salles de 200 partout puis c'est tout le temps j'ai des supplémentaires Partout où est-ce que je suis allé presse. Puis, tu sais, puis mon show, je suis super fier de ce show-là parce que je l'ai travaillé, je pas pu le travailler plus. Jaune. Tu sais, jaune qui est, puis tu sais, j'étais en nomination aux Oliviers. Yeah, en yeah, plus, yeah, man, des man, trois man. nominations que je pensais pas avoir. Tu sais, je sais que c'est politique, des fois, les remises de prix, mais juste le fait que tu sais, que je l'ai... Je l'ai tellement travaillé fort puis qu'il y a du monde qui font comme ouais c'est beau ouais, c'est beau on, on, on le voit le travail que tu as mm -hmm. fait, fait que on que reconnaît on reconnaît le travail ouais. que tu as fait juste ça le, mon gars là je suis content je suis content mm -hmm. puis je gonge pas je gonge pas c'est pas grave la vie elle continue mais je vois que je pense que je vais continuer à, à créer dans le futur peut-être mais on est toujours à la recherche d'un équilibre dans tout et anyway, ouais. comment qu'on le fait comment qu'on comment qu'on le mieux possible dans tous les niveaux de notre vie, tu sais. mm -hmm. C'est un astif de défi, là. Ouais. Comment, tu sais, parce que, oui, c'est le fun, parce que c'est quoi le succès, tu sais? Oui, oui. ben, j'ai adoré ta réponse, en fait, parce que quand j'ai demandé ce que tu penses de l'avenir, c'est comme... « Ma prochaine joke, ma prochaine... » Ah ben Chris, moi je pensais que t'aurais plus répondu genre « Ben dans 10 ans, faudrait ou tu il faudrait... » Mais j'aime ça ta réponse de comme « je pense à des prochaines jokes. » Ton futur, c'est des prochaines jokes. C'est la meilleure ouais. réponse que tu peux avoir, ouais. en fait. Ouais. C'est le moment présent ouais. plus une joke. Ouais. <laughs> ouais. Plus la nouvelle joke. <laughs> c'est parfait de, de même. Moi, ça m'a habité. Ouais. Toi, comme toi, tu, souvent, quand tu lâches l'humour, Mig, on parle de lâcher le tu sais, podcast. Non, mais, comme, mais moi, correct. je sens pas que vous avez lâché jamais. Ah, Mig, il me disait tu me disais « Moi, là, je m'en sacre, puis je suis bien... » Chez nous tout ça, mais tu continues tout le temps. Ben pas, non, je l'ai toujours... pas lâché mais je, je prends des, des, des pauses puis euh, je remets ça en question un peu. Là, mais c'est un ben rapport avec la vision de l'avenir. toi quand, Moi des fois quand j'ai lâché, c'était comme je m'en vais. Où, avec ça. Ah ouais. Mais je toi as tu t'as-tu lâché, dis c'est fini fini? Ben, moi, j'ai eu bien j'ai eu ben des vies, là. Et ouais. Donc, là, il m'en est, il fait que je lâche pour des raisons, euh... C'est pour ça que t'es un chat, ça, ça te rassure. C'est ça que ça qu il y a, ça, il y a, y a 9 vies, moi, j'ai eu vies. avant, tu m'étais 100 pièces, à sortir dire, là, je chante plus, j'ai eu beaucoup <laughs> d'argent, on va <laughs> lâcher avec mon chat, <chien>, <laughs> Mais, euh, euh, moi, je lâchais, écoute, j'ai un enfant malade, on rentre pas dedans, mais comme ça, je pense que je serais, aujourd'hui, j'aurais été millionnaire, on fait comme, euh, j'ai eu TikTok, là. Pas facile, de faire de l'humour rapide. Right, right, kid! Mais je serais millionnaire aujourd'hui. Mais on fait comment? Oh, c'est l'humoriste avec l'enfant malade, tu sais. J'ai pas fait ça, là. Fait que j'ai juste, fait que je me sens cabalé pendant deux ans. Tu sais, Sainte-Justine, ça. Fait que j'ai fait comment? J'ai appris à de faire des jokes. Des affaires de même. Aide pauvre. Aide pauvre. Moi, j'aime ça. Tu sais, à un moment donné, quand la compagnie allait mieux, la petite compagnie que j'ai, là. Fait que là, là, je pouvais, là, toutes les, les, les bars que je faisais pour mon stand-up, c'est toutes des sorties je sortais plus. Parce que je suis brûlé là On n'a plus vu. Moi, je suis clubé, ça me tente pas. Fait que, mais là, l'histoire du mot, c'était ouais. 38. Oh. Mais là, je trouvais que c'était comme Ah, oh, ben c'est le temps de sortir prendre une bière, tu sais. Ouais. Fait que, fait que là, ça me fait que là, c'est un coût, mais j'avais l'argent pour me payer mon trip de faire des 15 minutes à Ted Fernminds. Hein, ouais, ouais, ouais. Fait que là, c'est une belle vie pendant une couple de temps. Là, dernièrement, c'est plus rentable. Je veux dire, j'ai des gigs payants. Ben, euh, tu peux ish, gagner ta vie riche avec ouais, ça. Avec l'or. Mais tu gagnes ta vie avec l'or quand même l'art corporatif, en ce moment. Quand même, mais c'est absolument, non, j'ai gagné. T'sais. Oui, oui, non, je chale, moi, je vais Charles le plein, là, La vie est ouais, belle, ouais, t'es correct. Ouais, j'ai ouais. eu des jobs que j'ai détestés, des patrons méchants, là. Ah, <laughs> oh, ouais, ouais, t'sais, moi, je suis comme pas Puis toi aussi, imagine, là, je sais que tu dis que t'as pas gagné un job, mais imagine, tu parles des chicken swell, ah quand même si tu, sais... Comme, genre là, t'es un patron, t'es un gars moins intelligent que tout qui dit quoi faire. Moi, c'est ça que j'aime pas, des <cute> jumps, <cute> <cute> Non, non, pis pis, je dis pas que j'ai un gars super smart, là. Moi, non. Moi, attends, 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 <cute> 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 Non, parce que t'es obligé de jouer le fait que t'es pas plus intelligent. Oui, mais tes il était étaient bêtes, ce petit-là, right, guys? Moi, j'allais aux pages jaunes à un moment donné, mon boss est arrivé avec des souliers jaunes, une cravate jaune, je comme, il compte, c'est s'est volé, right? C'est <cute> à cause du concept des pages jaunes? Oui! Je pourrais jamais battre lui comme ça. Wow! il m'engagerait vu que mon chose s'appelle jaune. <laughs> fait que non, fait que ça j'avais comme ça, je peux pas retourner à ça un peu parce que c'est pas l'affaire de d'arrogance de, 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 comme moi que je dis. Ben, je fais tant la joke de comme la toilette, train de pété de la merde partout, le plombier arrive, c'est lui le patron là. Ah ben oui, ah ben oui, ben oui. Quel outil que t'as de bien, veux-tu un coke, veux-tu te masse, fait que tu règles <laughs> tu de la merde partout quand il le boss là. Fait que je suis capable de reconnaître le leadership. Ben mais, oui. mais souvent on a des job job, tarif puis un manager. T'as ton directeur qui t'aime bien gros mais il est là une fois par semaine. Puis il y a le manager. Puis lui il est fucking dumb. Ça fait 20 ans qu'il est dans la même position. J'ai des cuillères jaunes, une cravate jaune. Ça j'ai peur tout aussi. Mick. c'est drôle quand tu qu'on se parle ensemble. On est libre. Mais on est libre. On est hustler. Mixte aussi aime ça être libre. Oui mais Mick, c'est un hustler. Qu'est-ce que ça veut dire hustler Il y a six jobs. Ah oui ah oui. Vendre du café, vend fucking des pizzas. J'ai comme choisi des. J'ai ben, choisi tu sais, une liberté. Ouais. Puis ouais. je fais des, des, des petits jobs que j'aime. Avec ouais. du monde smart. J'ai plus de boss euh, d'hommes. C'est des amis. C'est ça. J'ai une genre de La liberté. La gentillesse, ça n'a pas de prix. Ah, J'ai hein? travaillé pour des, des colons, là, ça, c'est. C'est quoi le succès, tu disais, là? Moi, je moi, exact. Comment je passe mon 24 heures? Hmm. « Qu'est-ce qu'il y a de mon 24 heures cest un succès ce 24 heures-là ou j'ai fait de l'eczéma pis je suis triste ?» ça file pas, pis j'ai une boule ouais. dans le chest. Mon 24 heures, ça Qu'est-ce qui se passe Qui est autour de moi et que ça fait que ça soque tu une caravane jaune dessus les jambes C'est ça le problème du dodge ma job, tu sais. c'est ça, ouais, c'est ça. Exactement, là. Fait que c'est un peu ça que je veux protéger, que je vais faire bien attention. Puis toi, étais très bon, man, à pas tomber à juste comme « power through » Tu sais, manger tes bas, puis pas aller faire... Non, mais c'est parce que tu es capoté. J'avoue que euh, dans ce processus-là, c'est très important d'être bien entouré. Là. Tu ne ouais. passes pas à travers ça tout seul. Right. Ça te prend un frère qui est ton gérant, puis qui t'encourage, puis une blonde qui fait comme... Hey, je m'en câlisse que t'aies pas une calisse de scène. Mmh. Je m'en là Moi, je mange ouais. du yogourt, puis je suis heureuse. Ouais. C'est correct. C'est cool. sûr que les enfants, j'ai pas le goût qu'ils meurt de faim. C'est ça qui me faisait le plus chier là-dedans. Uh -huh. Puis ma mère qui m'aidait à ans, c'est Des fois, me donnait de l'argent. J'étais comme « Ah, c'est Surtout que tu fais l'école avec Mike et Martin Matt. Tu sais que leur mère, ils prête prêtent pas d'argent. Mike, il ne peut pas parce que sa mère est morte, mais tu sais, mettons... dessus. Là, il a encore plus! C'est C'était un gag, puis je sais que Mike l'aurait fait. Il l'aurait dit, ça. Il aurait fait ce gag-là. C'est sûr qu'il l'aurait fait, c'est ça. Puis Martin Matt, lui, il l'aurait renchéri avec euh, quelque chose d'encore plus trash Chris qui est poché, lui, des fois là. il m'a dit, dit une joke tellement trash à un moment donné parce que j'ai un de mes frères qui est mort brûlé ouais. dans son auto puis euh, là je, je disais il me dit toi Daniel quand tu vas déposer des chèques utilises-tu euh, ton le, mettons tu, tu prends-tu une photo ou tu vas au guichet puis dans le temps je disais je au guichet à côté de chez Il me fait Ben, t'es un vieillard. T'es comme mon père. Je Martin, arrête de te vanter. Ton père, il est mort. Là, il me dit Ouais, sauf moi, quand mon père a commencé à brûler, il était déjà mort. Ouf, ta Vous connaissez en estime parce que. Tellement bon gars. Aïe, 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 aïe. Je savais si c'est vrai, t'as vécu ça aussi. Mais l'affaire que. Oui, je comprends le bout où est-ce que t'es dépendant, puis là, il faut que l'amour des autres. T'acceptes l'amour, mais de sentir le, le soutien aussi. Non, mais c'est parce c'est Des fois, tu penses que oui. j'ai un problème, ça, puis il faut que le monde... Non, c'est ah, fucking right, I've been there, man. Puis, puis même le sentir, le, juste dire... hey. Même à ça, tu sais, mon. Tu sais, Michel, là, cette fille, il était tout le temps là, mais tu sais, c'est sûr que tu il tripait pas de voir son frère puis son artiste dans la marde, là. Uh -huh. Les deux, les deux, sûr. les deux, Genre, ça ouais. l'affectait deux fois plus que. Tu sais, mais. en Ce tout son coup, écurie, il y a un artiste qui va ouais, voir un pas ça. bien, tu sais. Fait tu sais, il se démenait pour essayer de me trouver de la job par n'importe quel moyen, mais en tout cas. Mais finalement, c'est ça, je pense, dans n'importe quoi, il faut juste être bien entouré. Puis des fois, tu sais, c'est pas arrêter, juste prendre du recul, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai jamais arrêté. Moi, un, mais souvent, j'étais quand. Mais j'avoue que, comme la semaine passée, j'ai eu six shows. Puis j'étais allé en Abitibi, j'ai fait de la route, j'ai 51 ans. Puis j'avoue que, des fois, je suis comme si j'avais 23. Je fais la même affaire comme si j'avais 23, mais je reviens chez nous, puis mon corps me dit, tabarnak, t'as pas 23. Puis wow, euh, j'avoue que je suis un peu veg, mais là, aujourd'hui, ça va bien, mais hier, puis euh, dimanche, c'est comme, tabarnak. Là, quand t'es dedans, t'as l'adrénaline, tout. Puis quand ça, ça retombe, rentre chez vous, c'est ça, tu dois être. Ouais, vous les ma là? Ouais. Je suis en italique. qu'est-ce ouais, ouais. puis, euh, ma blonde a, a des morceaux de mouille qui traînent dans les airs. Tu sais. Comme euh... moi, en ce moment, c'est jongler les deux affaires. Il faut que je travaille en compagnie pour que ça rendre de l'argent, sinon je m'en vais en prison. Et <laughs> plus de show que je suis bouquin en ce moment, il faut que je sois drôle, puis que je sois en shape. Puis, tu sais, que j'ai, sais, ça me tente d'y aller. Fait que je suis devenu, j'étais princesse avant, côté chaud, parce que, tu sais, bourré du gars, j'ai pas beaucoup de sous. Fait que je faisais mes chauds qui m'a check, je peux dormir chez ben, et ça. ça. Ouais. Puis, je retourné un peu plus princesse encore. Je suis comme, c'est combien tu me payes pour aller en bosse? Ah, il m'a me coucher. Ah, ouais. En je encore une boîte de Mr. Puff, puis m'a fini, tu sais, comme. Mais fait que je suis encore, je me sens pas de mon petit côté. mais ouais. moi, le grind de l'humour, là, je pourrais pas dire que j'ai vécu tant ça. <laughs> parce que quand c'était le grinder, j'étais à une heure de route. Puis quand j'ai le temps de ben, grinder, ben, ça va être la pandémie. Ouais. Puis là, on dirait que là, mon petit écoute que je viens de faire, mon petit gang ouais, show, tout ça, j'ai ouais. des, des bons bookings de qualité. Puis c'est en masse. C'est fabuleux. Faut pas... Ouais, c'est ça. C'est fabuleux. Puis on n'est pas obligé de grinder tout le temps. Non, non c'est ça. Ouais, merci. Cool. Hein, bon non, podcast. C'est vrai. vrai ce podcast, non, Mais c'est vrai, tu sais, ouais. parce que en même temps tout le monde a son chemin fait qu'on s'en sert à partir de là tout le monde fait son nasty » possible dans le point final puis que n'importe quel moi il y a pas de mauvais chemin puis n'y a pas de bon chemin pour aller où ce que tu veux aller L'important, c'est que tu continues à marcher ça finit là là puis tu sais si tu dis moi je vais accepter ce show-là » puis le lendemain tu freaks à cause que tu n'arrives pas à manger c'est tellement c'est ça trouver l'équilibre puis d'être bien dans toute les triste un nasty job la fâche de ne pas devenir en humour, c'est amère. Jamais. Faut jamais, jamais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Oui, c'est ça. Parce que tu fais des jokes. Tu parles pas d'assurance de, 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 de décès tu ouais, ouais, fait ouais. des jokes, uh -huh, uh -huh. fait que puis tu sais, les gens qui sont amers sont plates à mort, puis ça sent sur scène, ils sont dégueulasses. Oh, ok, <laughs> là-dessus, avant qu'on <laughs> nomme des noms, on va aller sur Patreon. allez vous quoi les gars sur <laughs> Patreon, on n'a rien à faire sur Patreon, sur ton show jaune. Mon show partout. jaune partout. Ben, j'ai un podcast, moi aussi oui. euh, le Grenier à Dan à yes. chaque lundi avec mon chum François, puis sinon mon, mon show jaune que je t'en tournais DanielGrenier.ca partout au Québec, puis j'ai vraiment du fun puis je suis fier de ce show là il est colon en est tellement temps, bon là. show. Ouais, merci mec merci j'ai tu je, pense que je moi moi j'ai vu un rodage, là, un, rodage. Vu un rodage. j'ai rodage le le voir je voir, euh... ah, oui. si joue euh, à Montréal la semaine prochaine au Lyon oh. d'or ah, au Lyon d'or excellent oui, parfait si très cool tourner. beau branding aussi en passant je tripe ah. sur le jaune ah ben, ça, ben oui t es, t es, t en ça te rappelle ça. des souvenirs de ta job euh, ben celle-là ton... <laughs> c'est ouais, bizarre que j'aime le jaune après avoir vu ça Toi toi tu as-tu une carrière euh, d'humoriste que t'aimes à plugger je <laughs> veux rien non moi <laughs> ça sort quand ça, euh, ça, ça... ça ça va sortir ça, ça va sortir euh, février février il va être trop tard mais non j'ai pas rien à plugger ça, remis. Mais je veux encore mon café. Ça peut, euh, sa, sa personnalité. Sa personnalité. Tu peux mais tu okay, mon... es officiellement mon Booker à cette heure. Ouais, on peut, peut dire ça. On ouais, peut dire ça sur mon podcast. Je deviens le Booker à Max, pour okay. euh, ces shows. Euh... si vous voulez voir mon heure. Juste Booker, tu, pas agent. Écris, pas tu écris, je sais pas ce que tu fais. Agent. Puis c'est ouais. pas grave. Moi, j'ai des titres au monde qui, <laughs> qui m'aident à faire des affaires. En fait, plus que tu peux t'appeler qui tu veux. Mais c'est euh, si des salles entre 75 et 200 places. Mais ben, on a ton temps, on contacte Mig. Puis Mig s'occupe de tout ça. on de faire mon. j'ai commencé un petit peu à checker ça. Pis. Il est bon, mais. J'aime ouais, ça, j'aime ça. Je sais. Booker être Booker puis de booker des bon shows, produire des sais. shows. Il est, es... est bon aussi parce qu'il comprend, il, il, a, il a fait puis ouais. il sait comment parler au monde, puis il sait comment ça marche. Il l'a tellement booké. C'est vraiment une bonne affaire. C'est une trouve. bonne personne vraiment. aussi. Oui. Avec vraiment. Puis aussi le fait que moi j'ai une sauture. Ah, de... si, y'a rien à faire! Non non, 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 non. Je suis pas crosseur encore. Hé, Danzi, Danzi, une couple d'années quand on même. commence à travailler ensemble. Ça fait 14 shows que je fais beaucoup. Pour... <laughs> je te montrerai pas ce <laughs> côté-là tout de suite. <laughs> ça fait 19 shows que je fais, puis lui il arrive, le nouveau au char. Moi j'ai pas oh, ouais. les petites cents dans le ouais, coin. Il y tout. Il y a mon argent, ouais. Ah, ça sent vient, ça sent rien. C'est gelé aux îles, quelque chose. Mais j'aime que Mig, c'est un brick. Grise glace pour moi. J'ai une petite ah social ouais. de comme, tu sais, c'est lui-même une au bordel. Je te vois passer. Ils m'ont pas mal vu te déranger. J'ai une mentalité que je dérange le monde. Faut ah. Ouais, oui, ouais. En ouais. ah tout cas, j'ai ça dans moi. On voit le syndrome d'imposteur. Ouais, ouais, ouais j'allais en parler tantôt, le syndrome d'imposteur. J'ai ça. T'as ça sur scène. Fois 1000. Ouais, t'as ça pour ta scène, que je, tu devrais pas l'avoir. T'es un bon humoriste, mais peu importe. Mais t'as pas ça dans le... Alors, hey, j'ai une sœur, je hein, faire ça, okay, je vais Je proactif. Ouais, t'as ce petit côté, il va te parler. Je crois plus aux autres que je crois en moi. Je hein. sais pas si c'est une bonne chose, mais je sais pas, je vois. vois... Ouais. Tu sais, quand en toi, je vois quelque chose. Fait que je suis comme, ok, tu sais, euh, je veux t'aider là-dedans. Dan, euh, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, j'étais fan. Fait que, tu sais, j'aime ça J'aime ça aider plus que, que moi, qu'est-ce que ça va m'apporter. Ouais, ouais, ouais. Ça... Ça me valorise beaucoup de, ouais. de faire plaisir aux autres puis de donner des jobs. De ben tu sais, moi, ben, sur Patreon, moi je fais ça, parce qu'à un moment donné, au bout, j'ai dit, tu sais, prends 20 Fait que moi, dans ce que je connais pas trop le bonheur de l'humour. Faut il faire de ton frère à un moment donné oh, ouais. qui me parle de ouais. comment ça marche, cette oh, affaire-là, mais ouais. ben, moi j'ai trouvé mes propres deals avec le monde, j'ai oh, ouais. trouvé ma propre affaire, <de> sais. J'ai <Je rires> créé ma propre business de l'humour, ouais, ouais, ça marche de même. <laughs> mais j'ai dit, tu sais, mec, prends 20 Mais book ma salle, tu prends 20 moi je donne 10% à mon gérant, je me donne un pourcentage à mon opener, pis tu sais. Lui, il dit pas de trouble. Là, il me texte plus tard puis il dit Ouais, euh, faudrait qu'on se parle du pourcentage, ça. Moi je suis Alright, pas de trouble, on va négocier quelque chose, ça Il me négocie à la baisse. Je suis comme, je comme, je voyons, bro, m'a donné, 20 là. Ouais, ouais, mais mettons que je ne pas te donner 15 Je suis comme, voyons, ta donné, on a des... quoi, est dit, Pourquoi tu renégocies, toi et moi, d'argent là? Mais... Fait que ça, c'était drôle, de téléphone, ça. Je pensais, ouais, ouais. Dire, OK, on va se pogner sur l'argent, c'est correct, faut en parler, ah, mais il disait, ouais, moins l'argent. Je veux là, pas 20, je veux 15 Ouais, c'est ça! Ah, Parce que ça me stresse trop d'enlever. Je suis comme, Mais c'est hot, par contre. Ouais, j'aime ça, es, c'est beau, C'est tu sais, d'être honnête, d'envie, vie, pis généreux, ça. Ça revient, euh, ça, revient, ouais. ça revient vraiment tout le temps, tu sais ça c'est ça c'est sûr sûr que si tu donnes sans attendre que ça te revienne, ça va revenir plus que qu ce que tu pensais, c'est sûr sûr ça. Puis là, Pis faut donner de nommer des noms des gens amers qu'on n'aime pas dans pas longtemps 3 <laughs> 2 1. On va dire moi.